Bonjour à tous les amis, on se retrouve avec Maxence Camus, Vincent. Ah, c'est moi, Ah. Salut. Ah. Ravi en tout cas Toujours pour faire une de commencer cette sieste. vidéo, parce qu'on aime bien faire des trucs assez réfléchis. Comme copier les concepts des autres, hein, c'est vraiment sympa. Exactement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des animes. On a pris les 100 plus populaires qu'on a au moins deux de nous trois en vue. Du coup, Voilà. ça fait pas 100. Du coup, ça fait pas 100, Ça fait pas ça la fait même. 50, parce qu'on est des salopes. Parce qu'à un moment, nique ta mère aussi. Alors, comme vous voyez, on est sur une tier list qui commence à God, Anime, Absolu, Dieu, Incroyable, et qui finit sur SNK saison 2. C'est peut-être un spoiler sur Ce qui m'a fait le tour pour cette. Oh, ça me dégoûte, là, il Oh. Aucun spoil, mais SNK saison 2 est peut-être pas tout en haut du classement. Alors. Vas-y, prends dans l'ordre. Vas-y, Akame ga Kill. Bon, Akame ga Kill, Très c'est. solide. Moi, je le mets en incroyable. Moi, je le mets en incroyable aussi. Vincent. Moi, j'aurais mis solide, mais ouais. Incroyable, en fait, il est bien, il est bien. Il est bien, très bien. Ok. Bon, yeah. On Donc, a deux remporté. incroyables insolites. Pour l'instant, on reste sur incroyable. Ok, Angle Beats. Mais le beat, c'est très très drôle. La fin est vraiment bien. J'aurais mis. La On première fois que est j'ai vu, j'aurais mis sur incroyable. Maintenant, je mettrais sur solide, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu Mais les putain, mais saisons ça, après je tout. l'aurais mis sur incroyable en vrai. Ouais? Bah ouais, là, il y a la surprise. Au début, c'est rigolo et à la fin, c'est quand même. La Une fin, ouais, surprise. c'est Pas trop bon. t'as la petite larme. C'est vrai que Bah, c'est un peu dur, sympathique. hein. Moi, c'était ma petite branlette, mais bon, ça, c'est mon vrai problème. Non, mais Chacun après. ses problèmes. Écoute, chacun son choix. Hein, voilà. Bon, j'ai fait un choix, t'as fait un choix. Okay. Alors, Another, très bien noté. Moi, je vais mettre sur nul ou à vomir. Voilà, ça faut le savoir quand même. Wouah! C'est chaud! Mais Another est vraiment dans le top 100 anime. Alors, Ouais! Another, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est censé te faire peur et c'est juste drôle en fait. J'ai passé un bon moment, mais. C'est surtout, ouais, c'est une énigme, c'est un peu chelou, tu vois, Ouais, je veux savoir qui c'est. Je... éclaté au sol, Oh l'énigme. non, non! Putain, moi j'aurais mis ok ou bien, tu vois, honnêtement, putain! Aïe, 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 aïe! Ah non, là je suis pas d'accord, là je suis pas Aïe, aïe, d'accord! aïe, ce sera. Maxence, tu Eh l'as pas ben vu? tu. Mais non, je l'ai pas vu, Et donc bah tu le montes, tu veux ce bien sera me croire, sur, ce moi. sera sur bof tiers, pour faire la moyenne. Mais Oh, ça me voilà! dégoûte! Voilà! Dommage qu'il n'y ait pas Rayon, il aurait voté comme moi. Alors, Assassination Classroom saison 1, du coup, parce que vous avez pas vu la saison 2. Où est-ce qu'on le Saison met? 1, C'est c'est bien. bien la saison 1. Ouais, c'était drôle. C'est C'était bien, ok. ça passe, c'est agréable, solide. Solide, J'ai pas fait chier non, quoi. bien. Bien, ouais, bien, c'est Non, bien. bien, c'était. Bien. Saison 2, c'est dommage, c'est un peu what the Ah fuck, quoi. non, on arrive au meilleur, on arrive au meilleur! Ah bah écoutez Attendez, attendez, on commence par la saison 1 quand même, quand même. Saison 1, écoutez, moi Oh, je elle est bien, mettrais. c'est Elle ok. Moi je mets ok. Elle est entre ok et bien, en vrai j'ai bien aimé, mais. Mais la saison 2, les gars. Alors ok, moi je dirais ok, Maxence tu dis quoi? Non, mais bon, moi je dis bien. Ok, Ouais, Vincent. j'aurais mis bien aussi, moi. Ok, En vrai, elle bien. était ok, tu vois. Ok, bien. Très bien. Saison 2. Aïe, aïe, aïe! Allez, Mais écoutez, ne les fais pas gars, attendre. pas de chance, mais c'est. Il est tout en bas, hein, on est C'est totalement. vraiment bizarre, C'est hein. vraiment bizarre. Et écoutez, insultez-nous dans les commentaires, mais. Voilà, il est dégueulasse. L'arc, c'est le pire du manga et de tout l'anime. Tu te fais chier à mourir. Oh là là, c'était Tu te fais chier terrible. et en plus c'est pas beau quoi. C'était immonde, genre c'était La 3D dégueulasse. mémorable. Mémorable de nulleté. Bakemonogatari, incroyable. Ah Moi, je sais pas. putain. Moi, je dirais Moi, je incroyable, me c'est demande si c'est pas. pas le god anime en vrai. Je mets... Non mais c'est juste, j'ai juste mis Bakemono, après si on note tous dans leur globalité, j'aurais peut-être mis dans God Anime, tu vois, parce que.
Ah putain, juste mon... C'est juste Bac et Monopoly. Ouais, non, c'est vraiment incroyable. Pour l'instant... Ah. Ouais. Va-t'en te montrer à Godani. On va laisser sur incroyable pour l'instant, on verra. Charlotte, toi tu l'avais aussi, Vincent? Un peu, ouais. Je crois que je me suis un peu de la fin. Mais moi j'aurais dit solide. Ouais, c'était bien. Oh, franchement, j'ai kiffé, c'était vraiment solide. Honnêtement, je te laisse le solide, le truc était cool. Hein. Shunibyo. Shunibyo. Ça, c'est incroyable. Bien. Moi j'aurais dit. Je me suis vraiment marré, mais moi j'aurais dit bien. Ouais. Bah, moi j'aime bien l'histoire. C'était mignon. Ouais. Ouais, j'aurais dit solide, moi. Okay. J'aurais aimé que ça se passe un peu plus vite, parce que de moment on se fait un peu chier, mais sinon c'était bien. Ouais, bah après, c'est comme tout ce genre d'anime, t'aurais aimé qu'ils s'embrassent à la fin, mais c'est... Oui, bah voilà, ça fout le seum, faut pas se mentir. Oui. Mais ils s'embrassent pas à la fin! C'est pour ça que ces animes-là, ils seront jamais gottières, hein. C'est ça. Attendez. Non, ils s'embrassent pas. Au dernier moment, il y a le téléphone qui sonne, classique. Ah oui, c'est ça! Ah yes! Non, mais ça, c'est comme dans Nechikan Yokoso, c'est pareil. Ah, j'ai pas vu quel ça. Quel genre de truc. Incroyable. C'est vrai, mais très bien, Nechikan Yokoso. Clannad, bah écoutez les gars, pas de chance. Pas d'hésitation à avoir. Hein. Allez, niquez vos mères, c'est pas allez, ça c'est la tyrannie. Deux habits contre un, Vincent, on l'emporte. Allez. C'est dans God Anim absolu, tu es incroyable. Putain, mais c'était nul la lumière. Aïe. Non, Vincent. Alors, ça aurait été la saison 1, j'aurais mis dans solide ou incroyable. Solide, je pense, mais avec la saison 2. Mais arrêtez! Vous mettez des baisers dans God Anim. Bah, d'accord. Mais je l'ai pas pris, parce que. Mais du coup, SNK, il reprend 3 places, non? Non. Non, SNK, il reste en bas. Il reste tout en bas. Pour moi, c'est le même anime, hein. Et là, on regarde SNK en fait qui monte. Hop! Hop! Et non, j'ai menti! Et non, il y a des gens qui il est tout en bas. Code Geass. Code Geass. J'ai pas Code Geass, incroyable. Code Geass, j'aurais dit incroyable. Vraiment très 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 bien. La saison 2 encore mieux que la saison 1. Denman Wonderland. Moi, je trouvais ça un peu what the fuck. J'aurais dit c'était bien. Ok, j'aurais dit solide. Ok, bien. Très bien. Bah, moi j'ai adoré Deadman, genre c'est incroyable. Deadman c'était solide, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. Mais t'as rien regardé, toi fils de pute, t'as regardé 3 épisodes et tu t'es barré. Mais je l'ai regardé en entier. Il l'a regardé après. J'ai regardé 3 épisodes avec toi et j'ai tout regardé. Après, t'étais là. Oh, what the fuck, t'as fini l'anime sans moi. Ah oui, c'est vrai. Oh, je te déteste. Death Note, incroyable. Non, mais Death Note, incroyable. Incroyable. Ah bon? Il est solide. Non. Non. La première partie c'est God et la deuxième partie c'est solide, du coup ça fait incroyable. Elfen Lied, moi j'aurais dit bien. J'ai pas... Vincent Elfen Lied. Oh quoi? Non, tu peux pas donner incroyable mais bien à Elfen Lied à un moment, s'il te plaît. Quand même, s'il te plaît, en fait, fais un effort. Tu choisis quoi toi, Vincent? Toi, bien quoi toi. Honnêtement, j'aurais mis solide ou incroyable, hein. Il est bien le truc. Et ben tu le mets dans solide et puis voilà. Il y a du sang, tu sais même pas pour rien, juste pour faire du sang, frère. C'est même pas beau, genre. Mais l'histoire. Allez, me parle pas. L'histoire est sympa. Bon. L'histoire, j'ai bien aimé. Voilà, mais... c'est bon, allez, ferme-la. Ah, celui-là, je vous le laisse, je l'ai pas vu. Fate Zero, je suis. Celui que Maxence a vu, moi j'ai vu l'autre aussi. J'aurais dit. Ouais, c'est ok. J'aurais dit bien. Ou solide, bien, j'aurais dit bien. C'est sympa, c'est vraiment beau, les animations sont clean et l'histoire est cool. FMA Brotherhood, bah incroyable. Oui, pas se mentir, très très solide, désolé. FMA Brotherhood, vraiment. Après, ouais. Peut-être le God Anime lui quand même. Tu l'as pas vu, ni ta mère en fait. J'ai pas tout vu, mais pour le peu que j'ai vu, ça allait très très bien. Hein. Non, c'était vraiment très très bien. Mais... Non, c'est très très bien. Il y a des moments marrants, il y a des moments... Il y a tout. Hein. Il y a des moments stylés, des moments marrants, des moments où tu chiales. Il y a un gros barbu. Il y a deux gros barbus. C'est parfait, ça. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Guilty Crown, j'ai vraiment kiffé. J'aurais dit solide. Ouais. T'aurais dit quoi, Maxence? Non, mais vas-y. My Hero Academia, du coup saison 1-2, parce que vous avez pas vu la suite, et Vincent je crois qu'il a pas vu. Bah la saison 1 était bien. Saison 2 était très bien aussi. C'est la saison 1
Ah, saison 2, je mettrais ok. Hein. Saison 1, j'avais vraiment kiffé. Saison 1, c'est quand ils font les jeux, je crois. Non, y'a déjà la meuf invisible ou pas? Bien sûr, elle est tout le temps. Alors, mais God anime, mais God anime. Saison 1. Ah, saison 1 était bien, la saison 2, j'ai pas accroché. Ah, mais lui 10. Mais t'as pas vu Vincent? Ouais, non, mais y'a la meuf invisible pour ça. Jean-Mi Solide, si tu mets. Si tu mets ok, je mets bien. High School of the Dead. School of the Dead, ouais, c'est du bof tiers en vrai, on va pas surcôter le machin. Parce que regardez, c'était vraiment juste pour les boobs. Hein, ouais, moi je regarde ça pour la patte graphique, ouais, la patte graphique. Ouais, ouais, la patte graphique. Incroyable en fait, la patte graphique, let's go. Il sent bien l'artiste à l'intérieur. Il y a son âme dedans. HSDXD, bah, moi j'aurais dit. Bien. Ouais. En vrai, en pensant maintenant, c'est ok. Enfin... Ouais, les personnages en vrai, cool, tu regardes quand t'es jeune, c'est non, parce qu'il y a non, des c'est vrai, aussi, c'est vrai, ouais. J'aurais dit ok. On va mettre sur ok. Vas-y. Graphiquement, c'est pas super, bon. Ça va, c'est ok. Yoka, ouais, je voulais choisir, je peux. Mais c'est bien. Ouais, honnêtement, c'est bien. C'est honnêtement bien. Après, c'est lassant. J'avoue que faire une saison là-dessus, bon. Au 12ème, ils ont déjà terminé l'histoire en fait, donc bon, c'est un peu. L'histoire, on va pas se mentir, bon, c'est un gros branleur qui fait. Non, ça. Mais. Non, l'histoire, c'est des énigmes un peu chelous, c'est rigolo, tu vois. Mais. Genre, ils finissent l'histoire principale à l'épisode 12, ça fait 25 épisodes. Bon, bah écoutez, y a du remplissage, quoi. On a rempli. Kayon, moi j'aurais dit. Dans son genre, c'est incroyable. Après. Ah oui, animes musicaux, y'a pas beaucoup mieux. Y'a Beck. Beck, c'est bien aussi. Ouais, mais c'est moins mignon. Mais c'est plus, ah bah oui, c'est, non, mais... c'est plus sérieux quoi. Ah bah là t'as du whip cheat, ça honnêtement, yes. C'est ce qu'on veut. Mec, ouais, en musical, y'a des 3 Metal City. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais c'est y'en a 3 comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal en vrai. Et vraiment drôle. Kill la Kill, moi j'aurais dit bien ou solide. Kill la Kill. Honnêtement, j'aurais mis incroyable. Moi, j'aurais mis au moins incroyable. Après, graphiquement, c'est vraiment beau, ouais. Après, le scénario, ça va, tu vois, mais c'est pas non plus une tuerie, quoi. Bah, c'est du gros bordel sur du gros bordel avec. Quel bonheur! Mais quel bonheur! Vas-y, très bien. Enter X Enter. Bon, écoute, moi, j'aurais dit. Regarde. Parce que l'anime, en soi, c'est quand même un anime long qui réussit à tenir jusqu'au bout. C'est vrai. Après, j'aurais dit solide, tu vois. Par rapport à ceux qui sont dans Incroyable et ceux qui sont dans Solide. Non mais faut. C'est quand même un anime qui dure 180 épisodes, je crois. Oui. Je me souviens. C'est le truc que j'ai quand même regardé jusqu'au bout. 140, honnêtement, je l'aurais mis dans les SNK. Quel vieux. SNK, c'est son. Ah mais c'est tant bien parce qu'en fait SNK saison 2 est tout en haut et non. En vrai, ouais. Bon, allez, on va le mettre dans Incroyable. Mais pour moi il est pas aussi incroyable que d'autres. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Non mais c'est juste par rapport à sa durée le truc. C'est vrai que il est resté solide. Pour un anime long il est vraiment. Ouais, mais du coup One Piece t'es juste. Il arrive, One Piece. Konosuba, Konosuba incroyable. Après saison 2, elle est solide, incroyable, j'aurais dit. C'est solide. Là, voilà, pas honnêtement, plus. C'est solide ou bien. Voilà, faut pas déconner. Ouais, non, la saison 2, ouais, elle est solide. La saison 1, elle est entre les deux, j'aurais dit. Entre solide, incroyable. Mais dans la main, ouais, je pense solide, c'est bien. Kuroko, Kuroko no Basuke. Ouais, à vomir. C'est surcoté. Hein. Le problème, c'est que c'est un anime de sport, c'est difficile de le classer avec des trucs autres. J'aurais dit soit bien, soit solide. Ouais, j'aurais dit solide. Solide, parce que pour un anime de sport, je pense que c'est un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur, donc. Avec IQ, il y a IQ et Slam Dunk. Et Slam Dunk, c'est spécial. Oui, j'ai pas vu IQ, mais. Kukai no Kaneta, à vomir, hein, de toute façon.
Non, ouais, c'est okay. Complètement fou. Non, Coca de Canada, j'aurais dit ok ou bien, pour mentir. Ouais, moi j'aurais mis bien. J'aurais dit ok. Moi, c'est parce que c'est mon ami favori, mais en vrai, j'aurais dit bien. Bien, bien. Oh, tu le mets dans ok, je te tue. Je te retrouverai, Maurice. Maurice, je te retrouverai, en fait. Tu vois, Coca de Canada, c'est beau, mais c'est tout, genre. C'est juste beau, hein. L'histoire, elle est éclatée en deux, frère. Quoi? Non, c'est pas fini, l'histoire. D'ailleurs, je vais te tuer, Maurice. À la Japra, j'espère que tu dormiras d'un œil. Mais tu je seras... vais te fumer dans ton sommeil, ça allait très vite. Mais quand tu dormiras sur le paillasson, tu feras mal malin. Ouais, je vais dormir avec Louis, ça va aller très vite. Ensuite. Logorizon, solide. Oh. On l'a déjà mis sur Dans ta main ou pas? Non, pas encore. Bah, il faut qu'il soit au-dessus alors. Ouais, dans tous les cas, faut qu'il soit au-dessus de Sword Art Online. Évidemment, c'est normal. Sword Art Online, il y a une demi-saison, genre. À la rigueur, bah, deux demi-saisons. Mais c'est une saison 2, en fait. Oui, mais... Bah, si c'était les arcs 2 de SAO, peut-être. C'est ça, on aurait dû faire la différence, mais j'avoue que j'ai fait. On fera une moyenne. Mais ce sera pas pitié, alors. Ce sera pas fou nul, et puis voilà. Grande moyenne. Madoka Magica... Après, c'est vrai que vu ce qu'on met pas dans Incroyable, honnêtement, ouais, c'est terrible. En fait, ouais, ça me dégoûte. Incroyable, et vous surnotez des trucs moyens. Mais le Madoka, tu vois, je crois le film est mieux encore, donc... Non, mais on a dit qu'on parlait pas des films, ça va. Ouais, mais voilà. Mais pour dire que c'était possible de faire encore mieux. Moi, je sais que la fin, j'ai trouvé assez simple, tu vois, même si j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, solide, du ouais, c'est vrai. Bah écoutez, Mio, elle va aller tout là-haut. C'est bien, il n'y a même pas besoin de poser la question. Nishijo, finalement, bon, bah, en anime de comédie, bah, il n'y a pas mieux, quoi. Il y a rigueur, il y a Saiki qui peut lui faire un peu concurrence. Et oh non, mais Nishijou reste meilleur. Mais Nishijou reste dessus. Non, mais ouais, on peut pas comparer, s'il vous plaît. En fait. Non, Nishijou, le top, quoi. Le top, ouais, le top. Mireille Nikki, moi j'aurais dit bien. Bien, ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que je l'ai regardé au début. Du coup, avec. Après, j'ai envie de mettre OK parce que c'est un des animes favoris d'Ender, quoi. Mais... C'est vrai, mais bon. En vrai, moi, je l'ai regardé plusieurs fois, je l'aime bien. Moi j'aurais du bien. Mob Psycho 100, Ouais, c'est solide, hein. C'est ouais, la saison 1 ou... solide, je pense. La saison 1, bah la saison 2 est vraiment incroyable, quoi. Mais... La saison 2, j'aurais du solide. Ah, du coup, la saison 1. Non, c'est stylé. Il y a des moments où ça pourrait être encore mieux, mais non, c'est stylé. Mais après, je pense que ça part encore plus dans les saisons d'après, qu'ils y lâchent plus. Je suis bien d'accord, ça. Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, j'ai beaucoup aimé. Ah, si, moi j'aime bien aussi. Oh, bien ou solide, en vrai, j'hésite. Ah, solide. Honnêtement, il y a des trucs. Moi, je l'aurais mis incroyable, hein, mais. Solide, ouais, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Saison 1, c'est quoi? Saison 1, ça s'arrête sur un... Saison 2, je crois que j'ai préféré. Bah, saison 1, c'est pas genre ils ont sauvé la princesse? Ouais, non, saison 1, c'est solide, saison 2, c'est incroyable pour moi. Bah, de toute façon, dès que tu vois comment il s'appelle, le mec du soleil, là. Escanor. Oh. Ouais, c'est ça. D'abord, moi, je préfère Meliodas dans la saison 2, mais... Il devient giga broken, en fait, c'est incroyable. Et il a toujours été giga broken, en vrai. Ouais. Incroyable. Naruto saison 1. À vomir. Ouais, saison 1 c'est chiant. Honnêtement, la saison 1 est chiant. Je vais mettre dans OK. En vrai, genre, si je devais juste noter Naruto sans les fillers, je pense que ce serait limite presque dans solide. Mais déjà, il y a trop de fillers. Et c'est tout. En fait, il y a juste trop de fillers. Nique ta mère, OK. OK, c'est ma raison, ouais. C'est tout, en fait. Moi, j'utilise mon ninjutsu en fait. C'est mon ninjutsu secret. Ninjutsu et filler, oh, t'as perdu. Ça va dans OK. Naruto Shippuden, bah solide par contre. Fruit du démon, des flashbacks. Naruto Shippuden, ouais, solide. Les fillers qu'il y a, il y en a quand même beaucoup, mais eux ils sont. Eux tu les regardes quoi, par rapport à Naruto de base. Tu les regardes.
T'as pas envie de mourir en les regardant. Et ouais, non, puis les arcs sont tous stylés, il y en a qui sont un peu what the fuck, mais bon, pire. Écoutez, on aime bien tous être un ninja et on court dans la rue avec les mains en arrière, quoi, donc finalement. Nisekoi. Incroyable. Nisekoi, oh, incroyable, j'avais pas dit. Non. Ah non, mais Konodera, je suis désolé. Bon, non, ça... mais elle est nique ta mère. Ah non, mais là, on me renverra un sentiment. Là, c'est quand même quelque chose. Non, mais non, mais vous savez quoi, on me lâchera une grande tirade d'essayou. Non, mais c'est vrai, Konodera, sa doubleuse est insane. Mais bon, on n'est pas là pour noter la seiyuu. Parce que, en soi, je vais pas te mentir que Nisekoi, les deux meufs derrière, bon, bah. Ah ouais, moi c'est... Ah. Non, c'est pas... Oh, bah, c'est... Non, la bleue, ça va. Ah oui. Voilà, t'as failli me parler. Non, mais Shitoge est bien, je parle des meufs derrière. Enfin, non, la rousse, en fait. Non, la rousse, elle est nulle. Moi, j'aime pas la rousse. La rousse, en fait. Moi, on est fiancés depuis qu'on est tout petit, avec sa mère. Ouais, non, elle est naze. La rousse, elle est naze. La bleue, elle est pas mal. Et Shitoge, moi, c'est ma préférée. Et Onodera, j'adore sa voix, elle est insane. Moi, ma préférée, c'est la... Et j'avoue que la seiyuu d'Onodera. Ouais, je mettrais dans solide parce que apparemment les doubleurs ils sont plutôt bien. Ils ont fait peut-être le café. No Game No Life solide, j'aurais dit. On parle pas du film ? Non, bah alors. Ouais, bien. Toi, dis bien, ok, Vincent. Bah, le problème c'est que ça s'arrête, il y a pas de sens. En vérité, c'est ça le problème. Ah, c'est sûr. C'est pas qu'il y a pas de sens, mais ça s'arrête en plein milieu, quoi. Oui. Mais ouais, sinon ça aurait été solide, ouais. Ça aurait été solide ou bien, quoi, en effet. J'aurais dit solide quand même, j'ai vraiment kiffé, ouais, c'est vraiment sympa. Moi j'ai bien sympa. Aimé, tu vois. Après, À regarder, tu poses en un moment. Puis le principe est sympa, c'est un isekai sans l'emmerdement. C'est ça. Noragami, saison 1 et 2, ensemble. Noragami, c'est solide, hein. Ah, c'est... Bah, moi j'aurais même dit incroyable, en fait. Bah, moi j'aurais dit solide, parce que. Bon, l'histoire elle est assez simple, tu vois, mais c'est vraiment beau, les openings sont insane et c'est sympa, tu vois. Moi j'aime pas trop C'est vrai qu'on a pas beaucoup discuté des openings, mais c'est... Mais je sais que bon, moi le mec blond il me fait chier dans le début de... Bah, au début qu'on le voit. Ah oui, non, il est horrible ce personnage. Et pour moi ça diminue la note, hein, parce que forcément c'est quand même un des personnages principaux. Ouais. Donc, bon, moi, c'est solide. Ah, c'est vrai. One Piece, je l'ai pas vu. Bah, One Piece, en vrai, je dirais que c'est bien. One Piece, après, ouais, j'ai pas vu, mais... J'ai regardé ça, j'avais 14 ans aussi. Mais le problème, c'est que One Piece, tu peux pas, genre, globalement, lui mettre une note. Il y a des passages incroyables, et des passages nuls à chier, ouais. Globalement, il est solide, c'est pas le truc. Sinon, ça serait pas autant regardé, mais après, ouais. Bon. Il y a après, des passages sur. Ouais, c'est pareil, quoi. Après, bon, pas se mentir, quand on arrive à 900 épisodes, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bon. Bah, t'as plus grand chose à raconter. Bon, nique ta mère, quoi. C'est bah, mec, t'as Détective Conan, hein, sur les 1000 épisodes qu'il y a, ça doit être à peu près 930 fillers. Et bah voilà, mais y'a toujours rien à raconter, c'est bien ce que je dis. Super. Mais bon, Détective Conan, au moins, c'est fait pour ça, tu vois, il se cache pas en mode. C'est l'histoire principale. Ouais, ah ouais, là c'est vraiment, il balance des histoires sur 2-3 épisodes, c'est une histoire, c'est... et de temps en temps, ils te disent « Ouais, vous avez pas oublié, le personnage principal, il se fait transformer en gamin pour eux. » Ouais, on en parle une fois tous les 100 épisodes, mais c'est ok, les gars. On essaye de trouver une solution. On essaye de finir l'histoire, les gars. Pas facile. C'est un peu comme si tu regardes un... Scooby-Doo. Ouais, on voit pas mal, Scooby-Doo, c'est un peu ça. One Punch Man. J'ai regardé que la saison 1. C'était ok. Ouais. Saison 1. Mec, solide. Mec, il fait de ouf, hein, la saison 1. Saison 1 solide ou incroyable, je sais pas. Ouais, non, peut-être incroyable, j'avoue. Vraiment très très bien. Ouais, j'avoue. Bah, c'est parce qu'il y a Roy San, en fait. L'anime est bien, l'anime est bien. Ah non, surtout le. Bah, il est vraiment magnifique. Même le niveau graphisme, il est incroyable. Donc, ouais, non, incroyable. Overlord, bon bah si on... Bah c'est Gautier pour moi, hein, pas te mentir. Moi je dirais dans Incroyable parce que la première saison... Oh non, on va se faire juger par une blanquette. La saison 1 elle est incroyable, la saison 2 elle est bof, la saison 3 elle est très... C'est ça, saison 1 elle est vraiment bien, saison 2 elle est
pas ouf, les endroits, elle est vraiment très très bien. Du coup, moi j'aurais dit dans solide comme moyenne quand même. Mes copains, il y a Blanquette qui va nous juger aussi. Après Blanquette qui arrive après la bataille, quoi. Donc bon, moment. Donc il jugera personne. Ouais, même aussi, il va juger nos choix. Et ça, c'est ouf. Psychopass, ah bien. C'est la saison 1. Moi, elle est mieux en plus que la saison 2, parce qu'il y a le mec est quand même plutôt stylé. J'aurais dit limite solide. Ça, c'est encore la Seiyuu de Nodera, hein. Moi, j'ai rien quoi. C'est vrai que c'est la Seiyuu de Nodera, la meuf. La meuf principale. Akane. Si je me. Akane, ouais, je crois que c'est pas Akane. Re-Zero. Elle est nulle. SNK saison 2, t'es jamais con. Re-Zero. Ah, mais Re-Zero, c'est si dommage en vrai. Genre... En fait, ouais, l'idée de base est incroyable. Non, mais ils ont ruiné un anime, c'est comme Soul Eater, frère. Soul Eater, j'ai tout regardé en me disant que c'était bien, j'ai vu le dernier épisode, c'est passé de bien à nul à chier. En fait. Ça m'a ruiné un anime. Non, l'idée de base est si bien, ça rend triste de mettre si bien. Re-Zero, de base, ça commençait, surtout les premiers épisodes, c'est limite incroyable. Surtout, genre, ouais, les 5-6. Dégrade. Après, jusqu'à 15, j'aurais dit solide. Ou 14, je sais plus, mais quand il fait cette déclaration à Rem. Et à partir de là, frère, avec la baleine et Beltegus et machin, là, putain, frère, ça devient terrible. Terrible. Il y a le dernier épisode, il est bien. Mais, ouais, j'aurais dit bof. Bof ou nul. Oh non, moi, j'aime bien le prêtre fou, il me fait rigoler. Mais il y a quelques scènes pas mal, mais putain, c'est pas tellement what the fuck. Moi j'aurais, ouais, bof, j'aurais dit bof. Ils s'autopètent les doigts à partir de là, c'est rigolo. Quoi. J'aurais dit bof tiers. Ouais, je vais me dégoûter. SAO. Allez, on met nul, Germain. SAO. Bah, tu mets... okay. SAO, premier arc, solide, voire incroyable. Incroyable même. Parce que c'était original en vrai. SAO, deuxième arc. C'est quoi le deuxième arc? C'est avec les elfes. Ouais, c'est ça, s'ils reviennent dans à peu près le même sens. Voilà, c'est là où il baisse sa sœur. Ouais, et Asuna, elle se fait violer par des pieuvres développeurs chelous dans le jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, on se souvenait pas. Il y a ça. J'avais essayé de l'oublier. Et l'autre qui a racheté le jeu, il veut que Asuna devienne sa femme dans le jeu et qu'il puisse la violer et tout. Aucune peine, mec. Alors qu'elle dort, hein. Il veut la violer pendant qu'elle dort. Hein. Terrible. Deuxième, en vrai, premier arc incroyable. Deuxième arc bof. Troisième arc solide. Et quatrième arc à vomir. C'est quoi, hein. À vomir, frère. C'est la meuf malade qui est dans l'hôpital avec. Ah non! Alors j'ai trouvé ça trop émouvant, mais c'était de la merde. Oh, il veut y a pas Kirito à vomir, hein, directement. Pas mentir. Du coup, ouais. Ouais, ça fait ok. Hein. Je pense ok, c'est pas mal. En moyenne. Bon, Steins Gate. Dans le incroyable. Hein. Incroyable ou God en vrai? Moi j'aurais dit incroyable. God anime. Ah, j'hésite, hein. Parce que. Tu l'as vu, Vincent? Une partie. C'est quoi? Une partie. J'ai regardé le premier et le dernier épisode, du coup ça m'a spoilé, j'ai plus envie de regarder. Quel démon. Quel démon. En fait, le problème d'avoir regardé le premier épisode, c'est que maintenant je sais pourquoi ça s'est passé. Du coup, j'ai pas envie de regarder ce qui s'est passé au milieu. Oh, quel démon. Bon, elle est incroyable. Tokyo Ghoul saison 1. Tokyo Ghoul saison 1. Eh bah, écoutez. Bah, je vais pas juger, j'ai vu que 3 épisodes. Ah, saison 1, moi ça va. Bien, ouais, bien, j'aurais dit bien. Bon, c'est un peu un pleurnichard, mais en vrai... C'est ça, mais c'est pas trop moche, l'opening est vraiment stylé, et puis... Après, je t'avoue que quand tu deviens une ghoul, bon, faut pas chialer, quoi. C'est marrant, genre. Bon, saison 2, à vomir, hein, pas mentir. Saison 2, c'est quoi? C'est quand il est à Ogiri. Franchement, c'est soit à vomir, soit nul, hein, y a pas...
Oh, ça va. Mec, ils ont pris le manga, ils ont fait l'inverse de tout ce qui se passe, ça n'a aucun sens, c'est incroyable. Alors, non, mais voilà, si tu compares, moi j'avoue que je parle juste de l'anime. Mais frère, c'est what the fuck. Tu comprends rien en fait, genre, le mec il rentre dans Ogiri alors qu'il les déteste, après, genre, ils vont sauver un mec qui est emprisonné, mais finalement il se tape contre lui, tu sais pas pourquoi. En plus, bon, toi, ça, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Genre, tu comprends rien. Après, bon, si, il y a un moment où toi, t'aimes bien le mec avec la faux, mais frère, moi, je le déteste absolument dans cette saison 2. Il est horrible, genre. Ah, Juzo. Non, voilà. Juzo, c'est pas, touche pas à Juzo. Ah, frère, il est odieux, genre. Mais c'est ça qu'on lui demande, genre. Dans Tokyo Ghoul Roy, il est bien, mais putain, dans Tokyo Ghoul, celui-là, Racine d'Oa, déjà. Ouais. Racine d'Oa, c'est dans Avomir, en fait, genre. L'anime qui s'appelle Racine d'Oa va te faire enculer. Alors, Toradora. Ça, c'est SNK saison 2, ça. C'était bien. Ouais, honnêtement, par contre, Boris, ça dépasse jamais ce livre. Mais tu peux pas mettre ça au-dessus de Nisekoi, par contre. Mais bien sûr que si, en fait. Ah, non, jamais, par contre. C'est vraiment parce que t'adores le personnage. Mais c'est quoi, tu poses ton cerveau quand tu regardes, alors que ça, tu peux le garder. Bah, Toradora, je sais pas. Hein. Bah, bon, c'est donc t'attrapes autre chose. Bon, solide. Très bien. Violet Evergarden... Bah, il est solide ou incroyable? Ouais, j'hésite, en vrai. Peut-être incroyable. Moi, je serais que le début, je me suis fait chier. Et plus t'avances, plus c'est bien, et la fin est vraiment incroyable. Bah, en tout cas, graphiquement, tu peux pas faire mieux, je pense. Oui, non, graphiquement, c'est sûr que... C'est au niveau d'un film de top qualité. Donc... Bah voilà, c'est ce que je m'étais dit. Bon. Donc ouais, non, c'est voisin. Je pense qu'incroyable, c'est bien. Et il nous reste Your Lie in April. Alors ça peut pas aller au même endroit que Nisekoi et l'autre, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça n'y va jamais. Jamais. Et non, en fait, ça va dans SNK saison 2. Yes. En fait, on vous a proqué, c'était Shigatsu Milou saison 2. Non, mais terrible, quoi. En vrai... En fait, ça me fait chier de le mettre au même niveau. Non, mais c'est sûr, mais... En fait... Ouais, j'hésite, tu vois. Ouais, peut-être là, ouais. Ah, c'est un peu entre les deux, tu vois. Genre, pour moi, j'ai pas autant kiffé que les autres de la liste, quoi. Quoi ? Oh non ! Non ! Là, je te l'ai dit. Là... Non, mais c'est quoi, Boris ? C'était juste plus bah, écoute, en fait, c'était incroyable jusqu'au moment où il a préféré la meuf blonde que son ami d'enfance, quoi. Donc, à partir de là, écoute, pour moi, c'est solide. Non, mais alors, l'ami d'enfance, Écoute, non, j'avoue, putain, c'est vrai qu'il a enculé son ami d'enfance. Mec, l'ami d'enfance qui pleure sur la plage, en fait, j'avais envie de l'insulter, c'est grand mort, quoi, c'est tout ce qu'il y a à partir de là. Après, quelque part, la blonde était plus belle, quoi. Ah bah, la blonde, elle était naze, mais bon, après, la blonde, elle est morte, quoi, donc à un moment... Non, puis t'en as une qui fait je sais plus quoi, du football ou du basket, et puis t'en as une autre qui fait du violon, quoi. T'as choisi ton camp. Eh bah, super, ils sont tous classés, tiens, on va le mettre en haut des solides, comme ça tu seras content. Moi, je peux pas le mettre plus haut, si. Ah, yes. Ah, mais c'est vrai qu'on peut faire ça, maintenant. Oh, c'est oui, horrible. Oui, ouais, c'est ça, nique ta mère. Merci à tous, en tout cas. Crash Alors, Benjamin, t'as pas mis solitaire ? T'as pas mis un anime nul ? Ah bah, écoute, j'ai pas mis solitaire, parce qu'il y a que toi qui l'as vu, hein. Tu l'aurais mis où, Maxence ? Nul. Ah bah, je l'aurais mis dans nul ou à vomir. SNK saison 2. L'anime, en soi, il est pas mauvais. Tu vois le dernier épisode, tu te dis... Tant de temps gâché. Eh bah, tu sais quoi, tu me donnes envie de le regarder. Eh bah, super, le seul qui sera dans nul, ce sera Solitaire, parce qu'il est pas là. Comme ça, on a quelque chose dans nul. C'est ça. Parfait. Histoire de combler. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez bien aimé. Crachez-nous bien dessus et on vous baise. À bientôt. Et bisous.